this the beginning? Okay. Okay, buddy. Salut tout le monde, c'est ArvFR et aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau gameplay qui m'a été sympathiquement donné par Oxteam. Donc vous connaissez sûrement Oxteam, c'est celui qui a réalisé la bombe mob sur Resistance Oscarelle à l'époque où j'avais mon Easy Cape. Donc je leur remercie vraiment de m'avoir gentiment donné ce gameplay. Étant donné que je suis plus trop en contact avec lui en ce moment, du fait que je ne joue plus trop à Modern Warfare 3 et tout ça, et qu'il est rentré dans une team assez connue. Donc comme vous pouvez le voir dans le bas dans la barre des kills, sa team c'est la ASSO. Donc je vais présenter rapidement la ASSO, donc qui est sa nouvelle team, ou même sa nouvelle team. Il est dedans depuis un petit moment maintenant, hein. C'est une team domination qui a un très bon niveau et qui fait pratiquement constamment des lives, donc ce qui leur permet d'être assez connus sur la PlayStation 3. Voilà. Donc la particularité de ce gameplay, c'est que tout simplement, il va jouer avec des armes pas difficiles d'utilisation, mais ça va lui permettre de faire... vous allez voir un gros carnage. Donc pour parler un petit peu du gameplay, hein, on est en domination, donc c'est logique vu que c'est le mode principal de sa team, sur dôme. Donc leur objectif, je crois que ça va être de laisser A, en fait je connais pas trop leur tactique de jeu, mais je sais qu'ils ont une tactique de laisser qu'un seul drapeau et puis ensuite de bien jouer comme il faut pour garder leur position. Donc je crois que c'est A qu'ils veulent laisser au final. Enfin bon. Donc pour les armes, ils jouent avec la MP7 silencieuse. En secondaire, MP9 silencieuse, je crois aussi. Après, ils jouent avec les atouts spécialistes, donc qui vont lui permettre de faire des tentatives mob. Donc je vous en dis pas plus, hein, ce gameplay. C'est une grosse surprise. C'est vraiment... je vous dévoile pas ce qui va se passer tout de suite en fait. Mais bon, on peut remarquer qu'il campe pas du tout, qu'il rush énormément et qu'il arrive à survivre. Donc c'est sûr, vous me direz que c'est grâce à ses coéquipiers qui font un bon travail aussi. Oui, c'est un jeu, un jeu d'équipe. Donc voilà. Aujourd'hui, j'aimerais parler pas uniquement de ce gameplay. J'aimerais parler un petit peu aussi d'une nouveauté, on va dire, qui va sûrement arriver dans les prochains jours. Donc, je pense que je préparerai le premier épisode ce soir ou demain. Donc, je vous annonce tout de suite qu'il y aura un walkthrough. Un walkthrough, c'est quoi derrière ce nom compliqué? C'est un truc tout simple. C'est simplement, je vais faire un jeu. Donc, comment dire? Je vais faire le scénario d'un jeu, le mode solo d'un jeu en entier, en commentary. Donc j'ai pensé à plusieurs jeux, j'ai plusieurs jeux en tête et je pense que ouais, je vais m'y mettre. Donc je vais essayer de vous proposer autre chose que du Call of Duty qui est déjà à mon goût déjà pas mal exploité par son multijoueur. On va laisser le solo de côté et on va plutôt regarder ce que ça donne niveau niveau des autres jeux. J'ai déjà mes petites idées. Après, il faut que j'y réfléchisse un petit peu plus longuement, que je vois ce que ça peut donner, parce que je vous fournisse pas non plus un jeu
que je ne connais pas du tout, où je vais totalement galérer à jouer. Donc on peut voir que la partie est à la moitié à peu près, enfin en tout cas à la moitié des points, parce que le gameplay n'est pas du tout à la moitié de son temps en fait. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Donc je rappelle qu'il n'est toujours pas mort, hein, qu'il résiste malgré son rush assez... il rush assez rapidement. Hein. Il est très très peu mobile. Immobile, excusez-moi. S'il est très peu mobile, il est donc en train de camper. Enfin bon, il est très peu immobile, ce qui lui permet de faire beaucoup de kills en plus qu'il ne meurt pas. Donc voilà. En ce qui concerne aussi la vidéo précédente, donc la vidéo gameplay miroir, il y en aura d'autres, des gameplays comme ça, des défis un petit peu. Et le prochain défi a déjà été réalisé et filmé parce que Oden ne pouvait pas rester toute sa vie chez moi, bien sûr. Donc on a fait ça en une soirée. On en a fait deux, donc celui que vous avez vu et celui que vous verrez dans un mois. Non, maintenant dans 3 semaines. Parce que je posterai un défi tous les mois. Donc le défi, le prochain défi va consister à réaliser des pompes. Comment ça, des pompes? Mais en fait, à chaque fois qu'on meurt, on va faire des pompes. Et cette fois-ci, on a décidé de faire un jeu d'équipe. Donc, pendant toute la première moitié de partie, il va faire les pompes. Et la deuxième partie, je vais faire les pompes. Donc voilà. Donc il a lancé sa première mob. Pourquoi je dis première? Parce que vous allez voir que ça va pas être fini du tout. Il va faire une tentative double mob. Ça peut être assez, vous paraître assez bizarre, parce qu'on est déjà à 146 points, 149 points. Il faudrait qu'il mette moins de 50 points pour débloquer sa mob. Surtout que là, il continue à faire des kills, il s'en fiche en fait. À la base, je crois qu'il tentait même pas de double mob, hein. Il voulait continuer à faire ses frags normalement. Et donc voilà. Donc là, il se fait tuer, c'est pas grave à la limite. Il a déjà sa mob, il a tout ce qu'il faut. C'est pas l'important. Donc là, il va essayer de se relancer dans une petite série assez rapidement pour gagner du temps, pour avoir le temps de faire sa tentative double mob. Parce que je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, ouais, il y a moyen, possible que j'y arrive. Donc voilà, il se relance dans une série. Il est déjà à 3-4 éliminations. Et vous allez voir que malheureusement, ça va pas être top, hein, il va se faire éliminer assez rapidement. Enfin, bon, je vais pas vous spoiler non plus tout le gameplay, hein. Vous verrez bien par la suite s'il réussit à avoir sa deuxième bombe mob ou pas. Et donc vous allez voir que ce gameplay, cette fin de gameplay va être plutôt sympa. Donc en ce qui concerne aussi ma vidéo domination à la CR. J'ai quelques abonnés qui ont cru que c'était une tentative mob. Alors non, pas du tout, c'était pas du tout une tentative mob. Parce que comme vous l'avez vu, je me suis arrêté à 17. Je me serais pas permis de vous mettre une vidéo où je me stoppe seulement à 17, 17 éliminations d'affilée. Hein. Non, c'est pas du tout. C'était pas du tout le but recherché de faire une tentative mob. C'était juste de vous. Le but était juste de vous proposer un gameplay sympathique. Si je sais pas pourquoi j'ai dit qu'il se ferait stopper dans sa série. Hein, Je... Non. Non, il ne se fera pas stopper. Ou du moins, pas dans les premiers. Pas dans les premiers frags. Donc voilà. J'aimerais un petit peu aussi vous parler de ma fréquence de. Enfin, mes vidéos sur Call of sont moins. Je poste moins de vidéos sur Call of. Parce que, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, je suis un petit peu overdose de Call of. J'ai essayé de m'y remettre, donc j'ai réussi à me remettre un petit peu dans le bain en jouant tranquillement avec des potes, sans prendre la tête, en fait, sans tenter des trucs de fou. Et même avec ça, j'arrive plus à me mettre dedans. Donc face à un moment, je me suis demandé si j'allais pas vendre la Play. Je me suis dit c'est bête, ça se trouve tu vas reprendre goût. Donc pour l'instant, moins de gameplay Call of, ça c'est sûr.
Bon, maintenant en ce qui concerne le gameplay, deuxième mob réussi. À ce moment-là, il a dû se dire, c'est une très bonne partie. Ouais, le gameplay n'est toujours pas fini. Ils vont laisser les ennemis continuer à garder les drapeaux pour pouvoir faire en sorte que la domination dure plus longtemps. Alors vous pourrez me dire, ouais, il triche, il fait en sorte que la partie dure plus longtemps et tout. Non, tout simplement, quand on tombe sur Dome, qui est une très bonne map pour fraguer en team, eh ben, on essaye qu'elle dure le plus longtemps possible. Et c'est donc ce qu'ils ont fait très, très intelligemment. Donc voilà. C'est pas parce qu'il a lancé sa double mob qu'il se déconcentre. Donc moi, je me suis toujours demandé comment il pouvait faire pour sortir deux mobs dans une gameplay. Donc, alors, attends, parce que là, ma manette s'était débranchée pendant que je filmais. Voilà. Excusez-moi. Donc, je me suis toujours demandé comment il faisait pour sortir deux mobs dans un gameplay, parce que j'ai déjà du mal à sortir une seule mob dans un gameplay. Et en plus, je campe quand je réalise mes mobs. J'arrive pas à traverser toute la map, Yuyu, tralala, et faire des mobs. Franchement, c'est quelque chose que j'arrive jamais à faire. Donc après, c'est peut-être que j'ai peut-être pas encore bien l'habitude de faire des tentatives mob, parce que c'est vrai que je m'y suis pris assez tardivement. Avant, je faisais mes petites parties tranquillement. Maintenant que je me suis mis un petit peu au mob, je me rends compte qu'en fait, c'est pas exactement ce que je pensais. Je pensais que c'était bien plus simple que ça, et en fait non. Moi, je me sens un petit peu obligé de rester. De sécuriser une zone pour réussir ma mob, parce que sinon, rusher dans toute la carte, je trouve qu'il faut trop être attentif à chaque recoin, à chaque petit bruit, à chaque chose en fait. C'est ce qu'on remarque dans le gameplay d'Oxtim, il vise un petit peu partout, tout le temps, ce qui fait que ça lui permet de, ben, tout simplement, d'avoir un œil un peu partout. Donc là, ils voient que les ennemis les rattrapent, et là, ils vont se dire, il serait temps d'arrêter la partie. Et donc voilà, la partie se termine sur un 200 à 195, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de regarder le score final d'Oxteam. Vous allez voir qu'il n'est quand même pas premier. J'ai trouvé ça assez incroyable quand j'ai vu ça. Donc voilà, je remercie encore une fois pour m'avoir donné ce gameplay. Et donc voilà, ça s'arrête sur un 64-15, donc 15 assistances et 2 morts. Seulement 2 morts pour 64 kills, et il arrive quand même à être deuxième. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce gameplay. Je vous remercierai de mettre un j'aime et un petit commentaire pour encourager Oxteam. Et donc voilà, ce serait vachement sympa. Merci et à bientôt.